Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer aujourd'hui la configuration d'ombrage d'un projet qui n'utilise que le miniserver. On va commencer avec le contrôleur de store, qui est notre bloc qui va nous permettre justement de contrôler le store. Alors sur ce dernier, nous allons mettre les sorties relais du miniserver, sur lesquelles on a branché la montée du store et la descente du store. Sur les entrées, donc CU pour réaliser une montée complète, nous avons le bouton haut, et sur l'entrée CD, nous avons le bouton bas. On constate que le bloc est rouge, ça veut dire qu'il n'est pas entièrement configuré. Si je clique dessus, je vois quel champ requiert une modification. Ici, en l'occurrence, c'est l'orientation. Si je clique dessus, je vois ici orientation de la fenêtre, 0 égale nord, 90 égale est, etc. Donc ici, on va remplir l'orientation cardinale du store. Disons que notre store est au nord, on met 0. On constate maintenant que le bloc passe au vert. Pourquoi il faut configurer l'orientation? C'est pour ce qu'on appelle l'ombrage automatique. Le projet, par défaut, on sait où il est installé et donc on remplit la ville dans laquelle est implémenté le projet. Une fois que cette information est renseignée, si vous êtes connecté à Internet, Google va exactement chercher la longitude et la latitude de votre projet. Cela permettra au mini-serveur de savoir à quelle heure le soleil se lève, à quelle heure il se couche, et toutes les informations reliées à la position du soleil. La position de la maison couplée à l'orientation vous permet de savoir si le soleil se trouve dans la zone de la fenêtre et si le soleil va, s'il est présent, chauffer votre pièce. Pour réaliser l'ombrage automatique, on a besoin d'une troisième information qui vient du thermostat intelligent. Le thermostat intelligent va simplement relever la température de la pièce, et si la pièce est trop chaude, il va fournir un ON à la sortie QS, qui elle-même viendra allumer l'entrée AS du contrôleur de store. Une dernière information qui peut être apportée soit par le service météo, soit par une station météo, c'est l'information de plein soleil que vous retrouvez dans le thermostat intelligent. Ici. Si vous utilisez un de ces deux moyens, vous avez la case qui sera cochée ici. Donc, l'information de plein soleil, l'information de surchauffe de température de la pièce, plus l'orientation et la position du soleil, fait que, si tous ces facteurs sont réunis, l'ombrage va descendre automatiquement pour bloquer les rayons du soleil et éviter d'avoir à refroidir la pièce. Cela permet de réaliser des économies d'énergie. Donc ça, c'est si on utilise les relais et les entrées du mini-serveur. Mais vous avez également l'option dont je parle dans le blog avec le nano de relais si on utilise le tri de l'Oxon. Si j'ajoute un nano de relais à mon projet, je peux le glisser-déposer pour obtenir ce bloc ici. Et ce bloc, on constate qu'il n'a pas de sortie parce qu'il dialogue directement avec le tri. Et il nous suffit juste de mettre le bouton haut, le bouton bas sur CU et CD et l'information QS sur AS. C'est exactement la même configuration. Il faut aussi bien sûr définir l'orientation de la fenêtre. Et là, le bloc va rester rouge parce que je n'ai pas un vrai nano de relais sous la main, donc je n'ai pas de numéro de série. Voyons maintenant comment piloter ces stores de manière centralisée. Je vais donc d'abord aller dans la page centrale et je vais créer ce qu'on appelle un bloc central ombrage. Si je fais un double clic sur ce bloc, je vois tous les contrôleurs de store associés. Donc là, j'ai choisi les deux que je vous ai présentés avant. Nous avons donc maintenant la possibilité de piloter tous nos ombrages de la manière dont on le souhaite. Pour cela, je vais vous présenter trois méthodes. Nous avons la méthode du planning. Le bloc planning, on peut lui configurer des périodes d'activité. Ici, la période doit commencer à l'heure à laquelle vous voulez que vos volets se lèvent et se terminer à l'heure à laquelle vous voulez qu'ils descendent. Je clique sur OK et je vais simplement associer la sortie QON à l'entrée CU pour la montée de mes volets. Et la sortie QOFF à l'entrée CD pour la descente de mes volets. QON génère une impulsion au début de la plage et QOFF génère une impulsion sur la fin de la plage. Une autre possibilité consiste à utiliser le fait que le mini-serveur est géolocalisé. Nous avons donc l'information de lever et de coucher du soleil et ces informations peuvent générer des impulsions que vous retrouvez dans la partie temps du mini-serveur, ici. L'impulsion pour l'aube, par exemple, peut être utilisée pour faire monter les volets en
reliant cette impulsion ACU, et l'impulsion pour le coucher du soleil peut être utilisée sur CD pour les descendre. Cette solution a l'avantage d'être 100% automatisée, mais vous ne pouvez pas choisir lorsque les volets se baissent ou se lèvent. La troisième option consiste à utiliser un bloc réveil que vous allez brancher principalement sur l'entrée pour faire monter vos volets. Et on utilisera l'impulsion pour le coucher du soleil ou une impulsion que vous pouvez choisir pour la descente. Le bloc réveil permet de réaliser différentes fonctions comme lever les volets, allumer la lumière et lancer la musique à l'heure souhaitée. Il est configurable depuis votre application et vous permet de vous réveiller tous les matins. Vous pouvez enfin créer des impulsions sur CU et CD à n'importe quel moment, lorsque vous êtes absent par exemple, pour simuler votre présence. Le dernier point que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est le fait que la maison devienne transparente lorsqu'une alarme s'enclenche. Donc si je prends mon bloc système d'alarme ici, j'ai simplement connecté un détecteur de présence et admettons que le client enclenche l'alarme depuis son application. Si je double-clique sur le bloc, vous voyez ici que mes deux contrôleurs de store sont configurés, ils sont cochés. Je clique sur OK. Et on voit ici la sortie Q3 sur laquelle il est marqué « Devient actif après la durée de D3 en cas d'alarme ». Les contrôleurs d'éclairage sélectionnés sont utilisés en mode alarme et tous les stores sélectionnés remontent. Donc, le simple fait d'avoir coché ici mes deux contrôleurs de store va faire que, en cas d'alarme, tous mes stores vont monter et donc rendre votre maison transparente. Si vous faites clignoter votre éclairage, les voisins verront qu'il y a un problème avec votre maison. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager ou commenter. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bonne journée !